J'avance un peu, en fait, de Yeah.
c'est tout bouché et tout. Merde, non, j'ai pas entendu, c'était où ça? Et là, c'est, ça vient de le dire. Béchac et Caillou, à mon avis. En direction de Libourne, hein. À mon avis, on est mal. Ah, mais on va passer ailleurs alors. Et par contre, moi, je peux plus mettre mon train de parc, c'est mort. Hein. Putain, c'est bizarre ton truc là. Et dès que j'essaye de le mettre 4-5 fois d'affilée parce qu'il veut pas se mettre, ça me met attention, la pression de frein elle est tellement basse que ça me met que j'ai plus d'air quoi. Ouais, faudra qu'on regarde le truc là. C'est bizarre ton truc là. Mort, donc c'est pas pris d'être dégagé, bordel. Ah ouais, Bryce, t'as entendu? Et tu l'as vu sur quoi, ça, Mi? Ah, ils viennent de le dire à la radio. Ah ouais, merde. Sur quelle radio, là? Énergie. Ah, mais c'est que j'avais coupé le volume, moi. C'est bon? Ah bon encore? Moi je suis à 14 hein, donc je vais bientôt passer à 15. Hein. Béchac et Caillou, il y a une voiture qui a renversé une moto, le motard est mort et tout, et c'est bloqué en direction de Libourne. Le motard a travaillé quand je suis passé déjà. Ouais, l'accident. Il n'y avait plus que la voiture pour signaler là, et puis il y avait les flics, c'est tout. Bon bah alors, normalement c'est bon alors. Bah oui. Attends, parce que là, je suis chaud.
sur l'autoroute là et puis enfin sur la 4 voies et puis là t'as plein de feux rouges. J'ai pris la 4 voies, il y avait deux feux rouges. Deuxième, je crois, j'ai tourné à gauche parce qu'en face c'est interdit au poids lourd. Ah putain ouais, mais là je suis pas arrivé par là-bas moi. Ouais, t'es pas arrivé par dessus, t'es passé par dessous. Enfin bon, t'es dans une avenue là où il y a plein de feux rouges, en fait t'es là, dans l'avenue principale. Je pense, ouais. Alors tu vas passer, je sais plus combien, 3 ou 4 feux rouges, peut-être bien moins 5, tu vois. T'as un chantier sur ta droite là, ils sont déjà embauchés, il y a des p'tits de tout le bordel. Ça cause Leader Price, Midas. Ouais, il me semble que j'ai aperçu ça tout à l'heure, ouais. Alors ça serait pas si mal que ça. Ça fait 3 fois que les flics passent à côté de moi, ils s'arrêtent pas, j'en viens. À un moment donné, ils vont revenir, ils vont s'arrêter. Hein. Si ça te gêne pas. Ah bah j'ai deux là. De toute façon on change d'une manière ou d'une autre, je vais te baiser pour recharger mon dessus avant midi, non? Après, c'est ouvert entre midi et deux, ça? Ouais. Sinon, on en fait trois, là, ensemble. Tu veux dire trois chacun? Ouais. Bah, de toute façon, là, on est sorti, on va partir maintenant. Ouais, ouais. Non, on va voir, parce que j'ai appelé le gars, j'ai dit, putain, 8h15, le temps que vous enleviez toutes les barrières et tout, j'ai dit, ça va pas le faire, j'ai 6 tours de remblai à faire. Non, mais il me dit, t'inquiète pas, il y en a pas 6, il y en a moins que ça. Alors bon, si des fois, on pouvait l'enlever en 4 tours, ce serait bien. Ah bah oui. Où c'est que t'es caché, mon petit? T'as passé un feu, deux feux? Oh bah je les compte pas, moi les feux, oui, j'en ai passé un certain nombre. Ouais, normalement, deuxième feu, là, faudrait que tu fasses à gauche et recules à droite, mais tu continues, tu longes toujours la voie de tram et tu vas me voir. T'as pas dû passer le deuxième feu, parce que je te vois pas encore. Un bus qui a arrêté sur ma gauche. Ouais, là je te vois. Bah tu vas aller au rond-point, faire demi-tour, et puis essayer peut-être qu'elle est derrière moi, je pourrais avancer un peu s'il faut.
0, c'est une. Allez, pousse-toi la mobilette là. Bon, moi j'ai fini la coupure, hein, t'es gaffe. Oh, ben moi je fais pas de coupure, hein. Ça a l'air d'être cool hein, pour utiliser le chantier, oui, en tout cas c'est important, il est bon. J'avance un peu. Je peux même avancer un mètre de plus, il faut. C'est ça le problème. Bon, ils vont remettre sur la voie du milieu parce que si avec les sorties là, ça va merder. Courage Alain, à plus tard. Escutar vossa excelência.
Ils ont juste dit qu'il y avait eu un mort là-bas quoi. Mais ils ont pas reparlé que c'était bloqué. Ils ont juste dit que ce matin il y avait eu un mort à 5h. Donc 5h et 8h. Non, oui, il est à Florac. Ah oui, d'accord. En bas, oui, c'est pas la même. Il me dit qu'il y a 5 tours. Ah, mais en détail. Il me dit qu'il y a au moins 5 tours. Bon, mais je pense que 4 tours, ça fait... C'est juste, hein. Ouais, mais je vais te baiser, je vais obligé de le tout faire, parce que apparemment, ils vont vouloir finir la plateforme avec le 030, quoi. Yes.
la prendre dans un sens, il y a encore plus grand sûr, et dans le deuxième, ça va être encore plus fort. Ah, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, ouais. Ah, merde! Que je suis dans les bouchons. C'est où là, Joe? Qu'est-ce que tu veux qu'on arrive à gagner de l'argent comme ça? Joe, c'est où? Ah, on est sur le haut de Florac, juste avant la descente. Ouais. Sortie 13. Vous avez vidé? J'ai quoi? Vous avez vidé? On va vider. Ah ouais! Ah mais on est queue à queue là, sur les trois voies. On arrive, on est en route à GT là. Tu m'étonnes que les motos elles étaient en train de klaxonner, j'étais en train de réfléchir, mais t'as vu la tente où elle était sur la troisième voie. J'étais en train de quoi? De quoi? J'étais en train de quoi? De réfléchir, t'as dit? J'ai jamais dit ça. Oh, tu sembles bien que t'as dit, j'étais en train de réfléchir. Ah oui, mais oui, je réfléchissais pourquoi il klaxonnait le mec. Ah ouais. Et en fait, c'est parce que le mec avec sa tente, il est sur la troisième file. Bon, 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 bon. Et j'espère qu'ils vont payer 300€ pour aller via BME le matin. Je sais pas combien ils vont donner, mais là, c'est la merde. Ah mais il est déjà vide le train? Descente de Florac, là, ils sont bloqués.
On peut pas aller plus doucement. Remarque que tout à l'heure j'ai réussi à faire une pointe à 20 km/h. Ah ouais, t'es un fou toi, t'as Yann qui t'appelle derrière un jour. Je suis dit Yann. Hey, il t'a appelé le gars pour la voiture. On t'entend pas. Merde. Il te demande si le gars t'a appelé pour la voiture. Oui, hier soir, il était à fond, il appelait son père et il a dit à son père, tiens, j'ai trouvé quelqu'un pour la voiture et tout, son père il a dit qu'est-ce que tu veux lui vendre maintenant. Putain, Fabrice, j'ai l'impression que t'es à côté de moi, hein. Ça passe vachement bien. De quoi? On vous dit Fabrice, on l'entend vachement bien. Moi je t'entends, mais comme si t'étais loin. Ah ben, je suis, ouais. Je vais arriver à la sortie, en 24. En 25. Dans la descente. Ah, elle. Descente qu'on arrive à monter.